Bonjour à tous et à toutes. Bonjour OKXV. Oui, je suis content que tu sois là pour continuer ce voyage de la joie Bonjour à avec tous et à notre toutes. cher Franbo. J'oublie toujours de fermer le son de mon onglet Twitch. Très bien, bah j'espère que tu vas bien. Si tu ne vas pas bien, est-ce qu'on peut compter sur Franbo pour te remettre de bonne humeur? Elle va peut-être retrouver son chat. Normalement, on retrouve le chat aujourd'hui. Donc, pour le résumé des précédentes aventures de Franbo, c'est une petite fille qui a vu ses parents se faire tuer très très violemment. En conséquence de quoi, elle a été internée dans un asile psychiatrique parce qu'elle était un peu beaucoup sous le choc. On est dans les années 40. Bon, la psychiatrie, c'est ce que c'est. Donc l'asile, c'est vraiment l'asile de l'horreur. Surtout qu'on lui donne des médicaments expérimentaux qui, quand elle les prend, lui fait voir une sorte de réalité alternative, souvent particulièrement violente. Et Franbo veut s'évader de son asile pour retrouver son chat, et parce qu'il y a une créature bizarre dont on ne sait pas trop si elle l'aide ou si elle la menace. La dernière fois, on avait réussi justement à sortir de l'asile. On avait voyagé à travers une forêt un peu étrange, et on était arrivé dans une maison où on avait été plus ou moins enlevé par des siamoises, par des sœurs siamoises, qui voulait qu'on fasse un rituel d'allure malsaine, et nous on a fait un autre rituel avec un peu de mal pour trouver certains des ingrédients, qui a permis de les exorciser. Et comme elles avaient capturé notre chat, a priori on va maintenant pouvoir le libérer. On s'était arrêté à la mort, à la disparition des siamoises la dernière fois. Donc va-t-il y avoir un nouvel obstacle? C'est vraiment pas impossible. On va bien voir ça. Voilà. Nous allons donc recommencer. Voilà, donc nous venons de faire disparaître les jumelles. Nous pouvons regarder un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Mince alors, ce n'est pas bien. Je ne pensais pas que ça les tuerait. Je suis désolée, les filles. Mais maintenant, je peux récupérer mon chat. Monsieur Minuit, ces filles, elles ont pris mon chaton. Je n'aime pas faire l'égoïste, mais c'est mon chaton. Oui, je pense que rien n'a bougé depuis la dernière fois, qu'on doit directement aller chercher le chat. Donc, qui était à l'étage. Ah, Fran, je t'en prie, sors-moi de cette cage, trouve la clé. Ah, on n'a pas encore la clé, pardon. Désolé. Est-ce que je l'aurais laissé là-bas? Peux la ranger quelque part. On avait déjà pas mal exploré la maison, c'est pour ça que je me permets de ne pas recliquer sur tous les éléments. Ah oui, j'avais oublié cette pièce. Les escaliers mènent à un mur. Alors, où est-ce qu'elles ont pu laisser la clé par contre? On va quand même pas galérer dès le départ pour retrouver une clé. Oh bon, on l'a! Oui, si, on l'a, d'accord. C'est juste qu'il fallait l'utiliser sur la cage, ok. Ce qui est très logique, hein, en réalité, ça doit être moi qui suis fatigué. Qu'est-ce qu'il y a, Fran? Ouvre la cage. Je ne peux pas, la clé ne rentre pas. As-tu vu une autre serrure quelque part? Miaou. Oui, j'en ai vu une, je vais voir si la clé rentre dedans. Je t'attends. Fais vite. Parce qu'il y avait une serrure, je me rappelle, sur le miroir.
Ici. La clé était pour cette serrure. Et c'est quoi ça, un casse-tête? Alors, c'est quoi? Ok. Donc ça, c'est pour en sortir, oui, Yakin. Ok. Alors. Bon, alors déjà, on va voir ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a des trucs où il y a ça sur le... D'accord. Ah, ça n'a pas été traduit, ça. D'accord, on peut bouger ça. Ok. D'accord, donc alors si on fait ça. Alors, pour l'instant, j'avoue que je ne vois pas encore du tout. D'accord. Est-ce que ça fait quelque chose si je l'approche de celui-là? Oui. Bon, ça fait tourner ça. Et j'imagine que celui-là, je peux peut-être le bouger aussi. Ok, c'est de là, je peux. Ok. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non. Ok. J'ai pas une idée précise de ce que je suis en train de faire, hein, si vous êtes en train de vous demander. On va essayer avec cela. Non, celui-là, il ne bouge pas, clairement. J'aimerais bien, du coup, cela, qu'est-ce qu'il faut en faire? Oui, là, il bouge pas non plus, ok. Le seul truc où on a réussi à créer un mouvement pour l'instant, c'est... On n'a pas encore essayé celui-là qui est différent des autres en même temps. Hein. Je vois comment on fait bouger les pièces, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on a la première étape importante. Je me contente de peu. Je me contente de peu.
pense qu'on va dégager un peu le passage parce que j'ai l'impression qu'on a un peu trop encombré en fait. Voilà. Est-ce que là, ça fait tourner si je mets celui-là là? Non, bon, c'était tenté. Ah, là ça marche. Et on a créé le mouvement. Ouais. Ok, parce que je pense que celui-là, il faut le mettre là. Oui. Il m'en reste deux. Parce que clairement, en fait, il m'en faut un là et un là. Ok. Donc je vois ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est la question de dans quel ordre je le fais, en fait. Peut-être ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a compris qu'est-ce qui fait bouger quoi, c'était pas si dur que ça en fait comme énigme. Eh ben, c'est une belle récompense. Qu'est-ce que c'est que ça? Deux squelettes? Ils ont l'air petits, comme moi. Je peux imaginer qui étaient ces deux-là. Alors, je ne suis pas une tueuse? Et qu'est-ce qu'on a au-dessus? Oh là. Alors, promesse de sœur, nous, Clara et Mia Buhalmet, promettons de nous venger du destin injuste décidé par Itward pour nous. Nous promettons dans le sang et les larmes de le tuer et de ramener nos corps. Nous n'acceptons plus ceci. Même si on est sœurs, on se déteste et on se détestera toujours. Rien ne pourra changer ça. Mais maintenant, avec nos corps joints, on ne peut pas réaliser notre tâche. La plus forte vivra éternellement et la plus faible mourra. Mère doit mourir. C'est un nœud bleu, il me plaît beaucoup. Mère doit mourir. Oh non, ma maman était très gentille, elle me faisait beaucoup de câlins. C'était peut-être une maman qui n'était pas gentille du tout. Voyons voir, qui est Itward? Alors, on avait déjà eu Itward dans l'asile, je me souviens, au sous-sol, dans une des cellules, c'était marqué Itward sur un des murs ou sur un miroir. Et je me disais que c'était peut-être pour Droït, mais bon. Hein? Ces filles sont décidément très étranges. Je me demande pourquoi elles se détestaient tant. Oh, les sœurs ont une énorme cicatrice au milieu. Oui, elles sont pas siamoises, naturellement, visiblement. C'est terrifiant, peut-être qu'elles étaient bien deux personnes différentes après tout. Le lit et le sol me disent vraiment quelque chose. Bah ouais, on dirait un peu une cellule en fait de l'asile. Le lit. Un nœud rose, un joli accessoire pour les cheveux. De la duotine, c'est notre médicament. Duotine? Mes cachets s'appellent aussi duotine. Mais elles ont les jaunes. Je me demande quelle différence ça fait. Oh, une poupée à deux têtes. Elle doit être vraiment vieille. Elle est aussi sale. Elles ont dû beaucoup jouer avec. Mes jouets sont aussi un peu sales. Ma maison de poupée me manque. Ça alors, ça doit être la clé de la cage. Enfin. Des perles, elles doivent venir d'un collier cassé. Ça, est-ce qu'on peut cliquer dessus? Ça brille, on dirait un collier. Oui, les perles, on ne peut pas les prendre. On a bien pris tout ce qu'il y avait.
Donc, est-ce que cette clé-là marche? Ou est-ce que ça va être une espèce de Fort Boyard où on doit trouver What Mille Clés? Je crois que c'est la bonne clé. Ça a marché, mon cher chaton, ça a marché! Sors, laisse-moi te serrer fort! On a retrouvé Monsieur Minuit. Est-ce que c'est pas mignon? Oh! Oh, que je me sens bien! Je suis libre, Fran, ma bonne amie! Tu es libre, mon chat. Il est temps de rentrer à la maison. Oui, allons-y! Miaou! Nous devons rentrer, chaton. J'espère que la maison n'est pas trop loin. Je l'espère, Fran aussi. On peut y arriver ensemble. Je peux t'aider. D'accord, donc. Est-ce qu'il peut nous aider, lui, par exemple? Est-ce que ça a changé? Deux choses à vérifier. En fait, on va déjà vérifier les différentes salles. Pourquoi il a bondi comme ça, là? Bon, c'était rien. Ça va peut-être durer, KXV. Qui sait, peut-être que le jeu devient très feel good à partir de maintenant. Est-ce qu'il nous dit quelque chose de différent? On va vérifier dehors, et sinon ça veut dire que ça se passe dans l'autre monde, hein. J'ai réussi, monsieur Crapaud, j'ai éliminé les filles. C'est parfait. Je peux enfin partir et retrouver ma famille. Moi aussi, c'est ce que je veux, monsieur. J'ai enfin retrouvé mon chat. Je veux juste rentrer et être avec Tante Grace. Mais comment vas-tu quitter cet endroit? Il n'y a pas de bateau. Je ne sais pas nager et monsieur Minuit a peur de l'eau. J'aimerais bien t'aider, mais je suis trop petit. Même si mon corps est assez malléable. Je n'arriverai pas à vous transporter tous les deux jusqu'à l'autre côté. Je vais y réfléchir. Ne nous quittez pas tout de suite, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il faut utiliser cette vieille légende urbaine disant qu'un crapaud gonfle quand on le fait fumer? C'est horrible, cette histoire. Il paraît que ça ne marche pas, d'ailleurs. On a toujours de la levure, hein, d'ailleurs. Donc on peut foutre le feu au crapaud, peut-être. Cette lumière, est-ce qu'elle nous amène du nouveau? Le clair de lune sur l'eau, tu es si beau et calme. Monsieur Minuit, tu as des idées pour sortir de cet endroit? Désolé, mais non. Peut-être que quelqu'un d'autre a des idées. Bon, allons voir dans le monde alternatif. Ma sœur essayait de m'attraper, mais je me suis enfui. J'ai peur. Peux-tu m'aider? J'ai un monstre dans ma tête. Donc, première chose, visiblement, Monsieur Minuit ne nous suit pas dans le monde alternatif. Et est-ce que ce monde alternatif a bougé? Non, on ne dirait pas, on va monter pour s'en assurer. Non. Alors. On peut donner de la levure au crapaud, peut-être, hein. Prenez ça, crapaud, ça pourrait aider. Je ne suis pas un petit pain. Mais vous êtes visqueux et mou, comme de la pâte. Tu as raison, ça pourrait marcher. Allez. Ouais.
C'est logique. Ça a marché pour de vrai. Je suis super gros et je me trouve très beau. La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf en PLS. Génial, allons-y. Viens, monsieur Minuit. D'accord, Fran. Ah, c'est le chat. D'accord, Fran. Je n'ai qu'un seul problème. Cet énorme crapaud me regarde fixement. Qu'est-ce que tu racontes? Il veut nous aider, c'est tout? Très bien. S'il essaie quoi que ce soit, je le griffe. Alors, monsieur Minuit, griffer un truc qui a l'air visiblement rempli d'air. Voilà. Pas de souci, mais ne lui fait pas trop mal quand on sera assis sur son dos. L'eau est profonde et on ne sait pas quel genre de créature s'y cache. Si on tombe dans l'eau, on pourrait mourir, chaton. Oh, je promets de pas de griffer le crapaud. Allons-y. Eh, fillette, avant qu'on parte, j'ai oublié de te donner quelque chose. Je t'ai vue sur cette photo, alors je me suis dit qu'elle devait t'appartenir. Oh, on récupère notre photo avec les parents et Tante Grace. Et ce livre était avec, aussi. Ah ça, par contre, on ne l'avait pas avant. Léon. Oh, crapaud, vous avez trouvé ma photo de famille, merci beaucoup. Je croyais l'avoir perdue pour toujours. Par contre, ce livre n'est pas à moi. Alors prends-le en cadeau, il n'y a pas de mal à lire. Et il y a plein d'images en plus. Wow, merci, j'aime bien les images. Bon, allons-y maintenant. Oui, en avant, tenez-vous bien. Je rappelle que nous ne sommes actuellement pas sous drogue, hein. Je laisse un peu cette image. Alors, attends. Bah comme ça. Ah d'accord. Oui bon, voilà, on fait ça, ça marche comme ça. Je réapparais au bout d'un moment. D'accord. Ok. Ah putain. Bon. Ouais. Bon. Bourriner, ça va pas toujours être la solution. Peut-être un peu tard. Non, c'est bon, il y en a une qui va arriver. Je pense que c'est bon. Elle est très sympa la musique de ce mini-jeu, je trouve. Sympa que les mini-jeux aient des musiques un peu plus feel good que les niveaux normaux. Rétro gaming, on fait difficilement plus moderne, je trouve, moi. C'est au moins un triple A. Nous y sommes, vous pouvez descendre de mon dos. Nous y sommes, vous pouvez descendre de mon dos. En avant, chaton. Bon, il est temps de rentrer à la maison. J'espère que vous trouverez bientôt votre famille, monsieur Crapaud. Merci, vous aussi. Adieu. Au revoir, monsieur, et merci de nous avoir transportés ici. Fran, que fait-on maintenant? Trouve le chemin pour rentrer, chaton. Est-ce que tu vois le ciel? C'est l'aube et bientôt toutes les choses qui font peur disparaîtront. Ah, j'ai faim et sommeil. Je veux rentrer maintenant. Moi aussi, chaton. Nous trouverons la route. Je vais faire de mon mieux pour t'aider, ma chère. Allons-y. Belle fleur.
Pouvez-vous m'indiquer le chemin pour rentrer chez moi? Apparemment, elles ne vont pas me parler. Et des cailloux. Êtes-vous une pierre? Ce serait trop bien de voir un troll. Belle fleur! Je vérifie vraiment qu'il n'y a rien d'autre. Oh, chaton, qu'est-ce que tu vas faire en premier en rentrant? Manger, bien entendu. Manger jusqu'à ce que je m'endorme. Et toi? Moi aussi, je crois. Bon, on va lire ce... On va déjà voir... Et on va examiner ce cahier. Ce journal dont on a vu qu'il appartenait donc à Léon, qui est probablement drogué lui aussi avec les médicaments, hein. C'est probablement un caméléon. C'était tout pour moi, je pense que je peux couper ce stream. Je me suis retrouvé à chercher la vérité, mais à trouver l'inattendu. J'ai trouvé ce que mes sens ne pouvaient me montrer. J'ai trouvé la vérité qui attend en silence dans l'inconnu. Léon Castillo, l'un des mille. Et on retrouve les masques, un peu les masques de théâtre, comme on en avait dans le miroir. Plein de visages, ça m'intrigue. Est-ce que les visages pleurent du sang? Léon Castillo, l'un des mille, je me demande ce que ça veut dire. 11 juillet 1908. Mon nom est Léon, j'ai 92 ans et je vis seul dans une petite maison bien loin de la ville. Je dois avouer que je n'ai jamais aimé les bijoux, les maisons ou les habits. Depuis tout petit, j'ai toujours parlé aux animaux, aux plantes et aux insectes, et même si je n'obtenais jamais de réponse, je n'ai jamais arrêté. Si vous lisez ceci, vous cherchez peut-être des réponses, peut-être voyez-vous des choses que personne ne voit ou que vous ressentez, ce que les autres vitent. Vous pouvez écouter le silence. Et ne faire qu'un avec le tout. Monsieur Léon est vieux, et il a l'air triste. Voyons ce qu'il a écrit. Peut-être voyez-vous des choses que personne ne voit. Oui, c'est exactement moi. Intéressant. 11 décembre 1875. Ah, c'est pas mal plus tôt. Oui, on a perdu 30 ans, donc on va lui faire une voix plus jeune. 11 décembre 1875. Je ne peux pas l'arrêter ni le contrôler. Je vois des ombres noires partout. Le sang, les messages, les cris, toute la douleur, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Les ombres noires, je les vois aussi. Elles sont partout. Pleure, parce que ça fait mal. 19 décembre 1875. J'ai eu une vision. Je respire encore la peur. Je lutte contre mon propre esprit. L'une des ombres est descendue du ciel, j'ai cru que c'était un ange. Son nom est Raymor, prince des ténèbres, venant dans la cinquième réalité. Il m'a parlé, a joué avec moi et m'a montré toutes les terreurs. Il m'a dit que j'étais la clé de son existence. Dans ma tête, la pierre de sagesse dans ma tête. Pleure parce que ça fait mal. C'est sinistre. Mais le monstre rend d'autres gens malades aussi. Dans ma tête, la pierre de sagesse. 13 janvier 1876, je me vois partout. L'autre moi me ment, me parle de toute la douleur et les souffrances de ma vie. L'autre moi veut que je me suicide. Il sourit en prononçant les mots, finis-en. Et j'ai essayé d'hypnotiser par ces mots, mais quelque chose finit toujours par me sauver. Ça doit être l'amour pour la vie. Pauvre monsieur Léon. Par contre, j'aime bien les dessins. Ah, c'est chouette. Ça doit être l'amour pour la vie. Oui, bah, c'est... Oui, c'est... D'ici à dire que Léon, c'est un pseudonyme de Feldup, là, il n'y a vraiment aucun pas à faire. Désolé à lui, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. 15 janvier 1876. J'ai rencontré une ombre. Pour la première fois, elle m'a parlé. Elle s'appelle Kamalas. Le nom de leur race est Kamalas. Ils chassent la faiblesse et la douleur. Je lui ai demandé pourquoi ils possédaient les corps humains et il a dit « On est et on se nourrit de la peur et de la maladie incontrôlée de l'esprit humain. » Il ne nous voit pas, mais notre existence absorbe chaque cellule vivante du corps jusqu'à la fin. Puis il s'est mis à pleuvoir et il est parti en marchant, laissant une trace visqueuse noire. Je crois que l'eau peut les purifier. Oh, ces créatures. Demande pourquoi personne ne les voit. Elles existent et elles rendent les gens malades. C'est peut-être le but de réaliser qu'elles existent et de s'en débarrasser.
16 janvier 1876, après avoir vu les Kamalas réagir à l'eau, j'ai orchestré une petite expérience. Hier soir, j'ai découvert quelque chose de remarquable. Les Kamalas se transforment en une nouvelle créature s'ils sont exposés à l'eau. La métamorphose était difficile à observer. Après d'horribles événements, les Kamalas se sont calmés et se sont assis par terre en pleurant. Il semblait que la douleur disparaissait. Au bout de quelques minutes, un être radieux et paisible s'est levé devant moi. Elles fondent comme les méchantes sorcières dans les contes de fées. Je fonds, mais quel monde! Oh, des créatures paisibles! Si je leur ressemblais, je passerais mon temps à faire peur aux gens méchants. On aurait dit que la créature radieuse pouvait lire dans mes pensées. Je te remercie de m'avoir réveillé. Je souffrais. Je dois aller trouver ma place. Iteresta nous attend. Tous les Valokas doivent s'y rendre à leur réveil. Si tu veux voir la lumière, viens avec moi, tu as la clé, me dit-il. Je ne répondis rien. Au bout d'un moment, il disparut. Lire dans les pensées, ça fait un peu peur. Je suppose qu'on a toujours peur des choses qu'on ne comprend pas. Surtout si elles ont l'air sympas. C'est vachement plus stylé quand c'est dans un carnet du 19e avec des dessins. En 2024, ça aurait été un mec bizarre sur YouTube qui fait des vlogs incohérents. Ouais, c'est ça. Ça aurait été en effet soit chez Feldup, soit dans What the Cut. Enfin, pas en 2024. 2 février 1876. Je lisais mes notes pour voir si quelque chose m'échappait. Je me souviens de Raymore, de la 5e réalité. S'il y a une 5e réalité, il doit y en avoir au moins 4 autres. Je me disais qu'Iteresta n'est peut-être pas une ville dans ce monde, mais une réalité en soi. Si seulement les réponses pouvaient venir à moi. Je regrette vivement de ne pas avoir accepté l'invitation des Valokas. Depuis que j'ai vu les Valokas, ce diagramme ne cesse de me tourner dans la tête avec une seule phrase. Le temps et le rythme de ta perception. Je ne comprends pas le dessin. Il y a les 5 réalités, mais effectivement, en dehors de ça. Mais il a l'air intéressant. Ça montre peut-être à quoi ressemble le temps. 13 mars 1876. J'ai reçu la visite de mon fils, Brian. Je lui ai parlé des choses que j'ai vues. Mais il ne voulait rien entendre et il est parti. Je ne lui en veux pas. Je comprends que la réalité qui m'est présentée est invisible pour la majorité des gens. J'aimerais pouvoir trouver un ami qui serait comme moi, parce que mon fils, il croit que je suis fou. C'est rigolo ce dessin, on croirait un dessin dans Le Petit Prince. Un des derniers, quand le petit prince tombe dans le sable après s'être fait piquer par le serpent. Je crois qu'il y a un dessin qui a à peu près cette composition où t'as les dunes de sable et le petit prince à gauche. Tout seul, sans famille, hein. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Et je me balade avec tous mes amis. Désolé. Vous devriez adopter un chat, monsieur Léon. Mon fils croit que je suis fou. Mais non, vous n'êtes pas, ça se voit. Bah oui, ça se voit. 25 juillet 1876. Mon corps et mon esprit commencent à comprendre le schéma. La vie devient assez facile à contrôler quand on se coupe de toutes les lois sociales et qu'on n'applique que les lois de notre réalité parce que ce ne sont pas que des lois, mais aussi des comportements. Des comportements chimiques. Des lois naturelles. Sans ces comportements, sans ces lois, nous n'existerions pas. Parfois, j'aimerais être une feuille au sol, calme et mourante. Je vais devoir étudier la chimie pour comprendre ce qu'il veut dire. Ce serait marrant de comprendre comment on est formé, tout ça. Il a l'air triste. C'est triste. 11 novembre 1876. C'est bien des 8, hein, à chaque fois. Oui, c'est bien des 8. Hier soir, après la tempête, une énorme créature est apparue dans mon jardin quelques secondes, puis a disparu, on dirait un axolote. J'ai trouvé une étrange bouteille remplie d'un liquide rose à l'endroit même où la créature avait atterri. Je ne comprends pas le contenu de la bouteille. J'y ai trouvé des globules rouges et une bactérie que je ne peux pas identifier. Ouais, ça a un gros côté zététicien. La bactérie semble éliminer tous les comportements inhabituels de toutes sortes de créatures vivantes. J'ai versé un peu de ce liquide rose sur une plante pourrante et elle a fleuri en quelques minutes. Je me suis coupé le doigt pour tester le liquide sur des tissus humains, et la plaie s'est refermée en quelques secondes. Cette bactérie fonctionnerait comme les plaquettes et les globules blancs, mais à une vitesse très élevée. Oh, quelle créature ça pourrait bien être? De l'eau rose mystérieuse? Super pour la plante qui a récupéré et a fleuri.
22 novembre 1876. Je rêve de milliers de chats noirs encerclant ma maison. Des gros yeux jaunes qui me fixent quand je dors. Ah. Les êtres à Eterstavari, de racines aux insectes géants. Les racines vertes en premier dans cette réalité, suivies des insectes. J'ai appris leur langage et leur numérologie. Ouh, j'adore les photos. Plein de chats et plein de couleurs. Oh, Itersta, c'est comme l'air frais qui sort du livre. C'est comme de l'air frais qui sort du livre. On dirait que quelqu'un a arraché des pages ici. Effectivement. Donc là, c'est un alphabet d'Itersta qui pourra peut-être nous resservir par la suite. Le grand Valokas est le début de la première réalité. Prime V, lumière, bouclier de Valokas. La structure physique des Valokas est très différente de la nôtre. Ils sont formés de photons et d'ondes sonores. Ils sont aussi à la fois mâles et femelles. Quand les petits atteignent l'âge de 299 792 459 ans, ils sont couronnés du bouclier. Ce sont des lettres. Elles sonnent bizarres. Oh, j'aime bien le masque. Apparemment, ils appellent ça un bouclier. 299 792 459 ans. C'est super vieux. Ziar, création des grands Valokas, roi d'Itersta. Deuxième réalité, la vie. 13 février 1877. Être en Itersta, c'est comme devenir ce que l'on ne peut pas comprendre sur Terre. C'est là où les feuilles chantent en tombant de l'arbre et où l'eau murmure sa sagesse lorsqu'on la boit. J'y pensais aussi, EKXV. Oh, trop belles ces créatures, j'adore. J'aime bien les arbres et les cristaux, et l'herbe. Tout, en fait. Ah, ça... Bien aimé l'herbe, à mon avis, vu l'expérience que tu vis en ce moment, Fran, va falloir que tu t'y habitues, hein, ça va devenir toute ta vie. La sagesse dans l'eau, donc de l'homéopathie maintenant. Pandore, création des cinq royaumes de l'existence essentielle. C-R-E-E, cinq royaumes existence essentielle. Réside dans le monde humain, dans la troisième réalité. La Terre, Mars et Jupiter, conscience, patrie de la volonté, pratique de la volonté. Sener Sedi, la fin de la vibration, quand les deux bouts des opposés sont du même degré, réside dans le troisième et quatrième réalité, la mort. Ok. La Terre, c'est ma planète. La mort. Mabuka, et la fin de la lumière. Ouh, plein de têtes. Cette créature doit beaucoup penser. Du sang partout. La fin de la lumière. 23 mars 1877. Mère Mabuka me laisse partir. J'ai passé 15 jours ici, dans l'antre de Mabuka, et je suis épuisé. Je n'ai plus besoin de fuir la douleur. Elle fait partie de moi. J'ai l'impression que l'amour est partout et dans tout. J'apprécie de pleurer. J'apprécie de rire. J'apprécie d'être en vie. Si les choses sombres des ténèbres sont si sombres, comment se trouvent-elles entre elles? Peut-être qu'elles aiment être dans le noir parce qu'elles sont moches. Et elles sont si moches qu'elles préfèrent ne pas se voir. Non daté. Je me prépare pour mon voyage de retour. Mabuka m'a envoyé aux limites infinies de l'antre de Mabuka et j'attends les Lucifermes. J'aurais dû me nouer d'amitié avec eux ou, pour être plus précis, devenir l'un d'entre eux. Les Lucifermes se ressemblent en filaments. C'est pour ça qu'on dirait qu'ils ont des poils et leurs énormes visages servent principalement à communiquer et à faire peur à leurs prédateurs. J'espère que mon corps survivra au voyage. Alors, est-ce que c'est un lien avec les créatures qu'on avait rencontrées dans l'arbre? Ça doit être Monsieur Léon assis là. Ce sont des insectes qui luisent? Ou elles peignent? Oui, c'est les créatures qu'on avait croisées dans l'arbre et qu'on avait aidées à sortir de l'arbre, justement. 2 octobre 1878. Il y a eu un an qui est passé depuis la dernière date qu'on a eue, qui était en mars 77. La gravité recueille les particules pour en créer de nouvelles. C'est une force créative, et avec la créativité, l'évolution est inéluctable. C'est quoi? Le dessin de gauche ressemble à une antenne. Oh non, quelqu'un a arraché le reste des pages. Je ne saurais jamais ce qui est arrivé à Monsieur Léon. Ok. Ouais, bon, ce dialogue, on l'a déjà eu. Eh ben, c'était étrange. Je me dis que l'alphabet, au moins, pourrait nous servir. Oh. Oh, mince. Un squelette de bébé. Apparemment, ils ne sont pas sortis à temps. Bonne nuit. Faites de beaux rêves.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un arbre. Waouh, quel arbre! Il a beaucoup de racines, on dirait des bras. J'adorerais parler avec un arbre un jour. Ouah, ça va venir, t'as 8 ans. Ouais, dans les années... t'auras quasiment la quarantaine quand t'arriveras... quand arriveront les années 70, ce sera encore le moment de parler aux arbres, pour peu que tu sois resté jeune dans ta tête. Monsieur, êtes-vous les insectes étranges qui s'en mêlent? Ils dorment, ils ne sont peut-être pas emmêlés. J'espère qu'ils ont leur peigne, en tout cas. Bon. Donc là, on peut peut-être passer, du coup. Mince alors, ce pont ne me rassure pas beaucoup. Oh, Fran, viens, on doit rentrer, on n'a pas le temps d'avoir peur. J'ai un peu le vertige. Je peux passer en premier, d'accord? Et tu me suis, miaou. D'accord, chaton, t'es trop mignon, je suis juste derrière toi. Effectivement, j'aurais pas été rassuré non plus, hein, à la place de Fran. Fran? Fran, attends. Oh, mon cher, je ne tiens plus, je ne veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir, mon ami. Viens, tu peux le faire. Saute, miaou. D'accord, je tente. Je te tiens. Frère! Non! N'aie pas peur, Fran. On tombe toujours. Et une fois la douleur passée, on se relève toujours. Ah non, c'est la tante qui nous parlait. N'aie pas peur, Fran, on tombe toujours. Et une fois la douleur passée, on se relève toujours. Oh, chère tante Grace, ne me laisse pas. Ne pleure pas, ma petite. Ton cœur est pur, mais ton esprit est tourmenté. Tu dois rester et suivre ta propre voie. S'il te plaît, tante Grace, pourquoi ne me sors-tu pas d'ici, je t'en prie? Tu vas me laisser toute seule, comme ma mère et mon père. Je suis navrée, ma chère Fran. Tu comprendras bientôt. Tante Grace, non, ne t'en va pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Fran, c'est l'heure de prendre ton nouveau médicament. Ah. S'est-il passé? Où suis-je? Fran, où es-tu? D'accord, trop cool, c'est une patte de chat qui remplace. Quel arbre moche, je vais te griffer, horrible chose! Chaton? Chaton, arrête, qu'est-ce que tu racontes? Fran? Ma chérie, c'est toi? Ce n'est pas possible! Qu'y a-t-il, mon cher? Bien sûr que c'est moi, qui veux-tu que ce soit? Fran, tu es un arbre! Ne sois pas ridicule, aide-moi à me relever. Attends une seconde. Où sont mes mains? Pourquoi je peux pas bouger? Je te le dis, ma chère, tu es devenue un arbre! Quoi? Mais comment? Oh, mon cher, c'est la fin des haricots! C'est le gros monstre! J'en suis sûr, chaton, il ne nous laissera pas rentrer! J'espère qu'il ne va pas revenir, il m'a fait très peur. Il revient toujours. Je crois me souvenir de lui cette nuit-là, quand
Papa et maman sont morts. Quand maman et papa sont morts. Chaton, je ne veux pas en parler, je veux juste rentrer à la maison. Mais tu es un arbre, mon ami. Un arbre. Je ne peux pas te transporter jusqu'à la maison. En plus, je ne sais pas vraiment où on est. Est-ce que je vais mourir, chaton? Dis-moi. Ne dis pas ça, Fran. Ne me laisse pas. Je me sens si faible. Homka, ignime olla. Kolke kolke iglunma. Pasgu olani. Igni jokle, vanti. Ah, attention, monsieur, pourquoi m'attaquez-vous? Pourriez-vous me dire où je suis, monsieur? Hola, kolke, hola. Arrêtez, je vais vous griffer. Hola, runma igni. Que disent-ils? Oh, mon chaton, pourquoi ça nous arrive à nous? Hola. Arrêtez de m'attaquer, s'il vous plaît, je ne vous veux aucun mal. Hola, igni vanti. Chaton, trouve mon porte-monnaie, s'il te plaît. Peut-être que je peux faire quelque chose. Je vais voir ce que je peux faire, Fran. Arrête d'attaquer mon ami, la carotte. Je ne comprends pas vraiment ce que vous dites. Un vieux légume assis dans un bateau. Un arbre qui a sommeil. Bonne nuit. C'est quoi ça? Une des chaussures de Fran. L'autre est là. La chaussure de Fran. Ce sont les collants de Fran. C'est un bateau en bois. Ce serait dans la... C'est la robe de Fran. Je vais laisser ça là. C'est peut-être là qu'elle avait son... As-tu déjà trouvé le porte-monnaie? Je crois que ces créatures veulent me tuer. Non, on va continuer à chercher pour l'instant. Je vais continuer à chercher, ma chère. Ils ne te feront pas de mal. Oh, je prends cette pierre. Elle brille. Je vais rapporter la pierre qui brille. J'ai vu des mécanismes semblables. Ils tournent. Et ben voilà. D'accord. Et on utilise le cristal pour bloquer le mécanisme. J'ai le porte-monnaie, je suis vraiment trop fort. Fran, ma chérie, j'ai le porte-monnaie. C'est formidable, tu es le meilleur, monsieur Minuit. Maintenant, montre ma photo de famille à ce monsieur qui m'attaque. Il comprend peut-être ce qu'est un être humain. Enfin, j'espère, en tout cas. Wanum, Nioka. Ah, l'un m'a pas skinolto. Hein? Où m'emmenez-vous, monsieur Légume? Ils veulent t'aider, Fran, je le sens. Okelunma, Epo. N'aie pas peur, mon ami. Chaton, arrête-les, s'il te plaît. Ne me laisse pas. Je suis là avec toi. Galope-moi, galope-moi. Chapitre 3, état végétatif. Itmelbon menokaist be, ziar niolla wanum. Irishto ibtem golska, emitan ulfiol. Golska, zialho. Bienvenue, créature, mon nom est ziar. Parles-tu l'humain? Oh, super, enfin des mots que je comprends. Mon bon ami Ride m'a dit que tu lui avais montré une illustration. Avec
quatre humains et un chat. Je suppose que tu es l'ami, que tu es l'une de ces personnes, la petite fille. Excuse mon bon ami s'il t'a fait peur. Nous n'avons jamais vu d'humain qui ressemble à un arbre. Oui, laissez-moi vous expliquer. Oh, pas besoin de parler, mon enfant, la graine me montrera tout. Ipten monakais tecto ectobro ectoproté. Oh, c'est de la bonne, bordel. Oh, voyons voir. Tu es une bonne personne, il n'y a aucun doute, chercheuse de la vérité. C'est très commun dans l'arbre généalogique des beaux. Ah, tu t'appelles Fran, tu es la fillette qui est passionnée par la vie. Je vois un amour profond pour cette petite créature à côté de toi. Un chat, protecteur des portes, intéressant. Ouais, c'est vrai ça quand même. Mais pourquoi tout le monde me connaît ? Silence. Je vois autre chose. La graine ne cache rien. Je vois un monde que personne ne devrait voir. Personne, sauf un. Comment ça, sauf un ? Vous voulez dire le monstre ? Tu n'es pas censé être ici, Fran. C'est la seule chose que je puisse te dire, mon enfant. Je comprends, mais pouvez-vous m'aider alors ? Nous ne pouvons pas te laisser partir maintenant, c'est trop dangereux pour nous. Tu n'aurais jamais dû découvrir notre existence. Il doit bien y avoir un moyen, est-ce que je suis morte ou quoi ? Morte ? Que veux-tu dire ? Vous savez, quand on n'existe plus. En plus, c'est pas normal d'être un arbre, je dois être morte. La mort n'est rien d'autre que l'absence d'amour. Lorsque tu ne ressens plus d'amour, tu meurs, même si ton corps marche encore. Je ressens toujours de l'amour pour mon chat. Je ne peux pas être morte. Aidez-moi, s'il vous plaît. Petit chat, approche-toi, laisse-moi te regarder. Comment t'appelles-tu ? Mon nom est Monsieur Minuit. C'est un bien joli nom, en effet. Tu crois que Fran devrait rentrer chez elle ? Absolument, monsieur. Montrez-nous le chemin pour vous rentrer, je vous implore. Ah, j'ai une question. Êtes-vous le roi ? T'es marrant. Ouais, je suis le roi d'Iterstha. Oh, c'est un honneur, votre Altesse. Au fait, j'aime bien vos feuilles, elles sont jolies. Oui, je me rappelle effectivement d'Iterstha dans le carnet. Monsieur le roi, je vous en prie, allez-vous nous aider ? Pourquoi ce grand besoin de rentrer ? La graine m'a conté votre histoire. Vous n'avez pas grand-chose qui vous attend. Il y a plusieurs raisons, monsieur. Mais le plus important, c'est ma tante. Elle me protégera. Je veux sentir que quelqu'un tient à moi. Je suis presque tout le temps confuse et je veux être quelque part où je me sens chez moi, monsieur. Je vois, tu es très courageuse. Je corrige. Je veux simplement rentrer chez moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il y a certaines choses qui me sont impossibles, mais je vais vous aider. Je vais te mener à la porte qui te ramènera chez toi. Mais c'est à toi de passer son seuil. C'est vrai ? Oh, merci beaucoup. Et où est cette porte, monsieur ? Nous parlerons de ça plus tard. Tout d'abord, tu dois pouvoir marcher et parler sur ces terres. Oui, monsieur, ce serait vraiment génial. Je crains de ne pouvoir te redonner ton corps d'humaine. Seul le grand sorcier le peut. Mais nous parlerons de lui après la procédure. Tu dois d'abord comprendre notre langue. Mais comment vais-je comprendre votre langue ? Mange ce fruit. Tes oreilles et ta langue pourront comprendre, mais pas tes yeux. Cela veut dire que tu ne pourras rien lire. Oh, ne vous en faites pas, je pourrais toujours demander. Excuse-moi, comprenez-vous ce que je dis, Madame Lumaine ? Oui, et vous avez une voix si gentille. C'est incroyable, as-tu compris, mon chaton ? Pas moi. Votre Altesse, j'exige que vous me donniez un fruit. Tu n'as pas besoin de fruits, Monsieur Minuit. Notre monde se base sur les parfums et les fruits. Tu verras bientôt tout comme ton monde à toi, ça ne fait aucun doute. Tu t'en sortiras, chaton. Et monsieur, savez-vous pourquoi je suis devenu un arbre ? Oui, mais je ne pense pas être la bonne personne pour te donner des réponses. Maintenant, passons à la procédure. As-tu le vertige ? Un petit peu, oui, ça me fait tourner la tête. Pourquoi ? Emmenez-la à l'étage, immédiatement. Où m'emmenez-vous ? Qu'allez-vous me faire ? Pour obtenir des bras et des jambes. Tout ira bien. Je t'attends ici, Fran. Je t'aime.
Revela l'axolote. Bonjour, je m'appelle Palantras et je suis ton docteur aujourd'hui à ton service. C'est toi l'urgence ? Ça alors, c'est génial ! Quelle énorme chose toute belle et douce ! Excuse-moi. Oh pardon, c'est juste que je n'ai jamais rien vu qui vous ressemble. J'essaie encore de comprendre que tout ça est réel. Je m'appelle Fran, je suis une humaine. Le roi m'a envoyé ici pour obtenir des bras et des jambes pour que je puisse rentrer chez moi. Oh, une humaine, je crois que je peux te trouver des bras et des jambes. Mais nous allons devoir voyager un peu plus loin pour remédier à ça. Es-tu prête à passer entre les pattes de la bête ? Quelle bête ? Moi, c'est moi la bête. Allons-y. On y est. Waouh, cet endroit est si beau et paisible. J'aimerais pouvoir rester ici pour toujours. Merci, c'est chez moi. C'est là où je suis né. L'esprit du grand Valokas l'a créé. Elle contient l'eau la plus pure de l'univers entier. Ça alors, ça a l'air formidable. Qui est le grand Valokas ? Tu n'as pas entendu parler des cinq réalités ? C'est le roi de la première réalité. Il y a très longtemps, il était en guerre contre les ténèbres et un jour, il est tombé. Il a fait une si mauvaise chute que son cœur s'en est brisé. Il était tout seul. Mais il est venu à Etersta et son sang a donné la couleur rose à cette eau. Oui, il y a un côté Falcor, je suis d'accord, effectivement. C'est pour cela qu'elle est si pure. C'est une très longue histoire. Ça a l'air grandiose. Enfin, je ne savais rien des autres réalités. Et comment se fait-il que tu sois ici ? Qu'est-ce qui t'a amené à Etersta ? Mon chaton et moi étions en route pour rentrer chez nous. J'étais tellement heureuse de le revoir et de le câliner. Et pouf, on est tombé. C'est le gros monstre qui me suit qui a fait ça. Il a cassé le pont, il veut que je meure. Qui voudrait te voir morte ? C'est atroce. Je préfère ne pas parler de ça. Mais monsieur le docteur, vous savez pourquoi je me suis transformé en arbre ? Oui, parfois nos souhaits sont si forts qu'ils deviennent réalité. Tu as fait ça afin de pouvoir rester en vie. Voilà ainsi, ton corps d'humaine a été détruit, mais tu voulais continuer à être Fran, tu voulais garder ta vie. Alors tu as pris cette coquille vide pour conserver tous ces précieux souvenirs. C'est en fait la première fois que je vois un être humain utiliser un arbre comme chrysalide, mais c'est dangereux de t'avoir ici, ça rend notre monde vulnérable. Je me suis fait ça moi-même ? Ça alors ? Mais... Palantras, monsieur... Comment ? Je ne me suis rendu compte de rien. Tu ne savais vraiment pas ce que tu faisais ? Je vois... Bon... En venant à Etersta, tu as ouvert une porte entre ta réalité et la nôtre. Et avec cette porte ouverte, des créatures indésirables ont aussi accès à notre réalité. Et si cela se produit, l'équilibre sera altéré. Et il n'existe qu'une seule créature qui veuille empoisonner la deuxième réalité. Le monstre, le terrible noir. Je ne peux pas voir cela se reproduire, je ne peux pas. Ne soyez pas triste, docteur, je suis navré pour ce que j'ai fait, je ne voulais pas le faire. Oh, fillette, tu es si gentille. Et tu n'as pas besoin de t'excuser, tu n'as rien fait de mal. Tu es très spéciale, mais concentrons-nous sur tes bras et tes jambes. Tu veux bien ? Oui, docteur. Soldat du soleil, esprit de l'eau, donnez à Fran ses bras et ses jambes. Comment te sens-tu, Fran d'Etersta ? Ouais, je me sens... comme un bel arbre. J'ai des feuilles. Je suis ravi que ça te plaise. Je t'avais bien dit qu'on pouvait y remédier. L'eau est magique. Elle peut tout guérir. Je vais te surnommer Boiron, toi. Tout, vraiment ? À votre avis ? À votre avis, vous pourriez guérir ma maman et mon papa ? Comment ça, les guérir ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Rien, docteur. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Vous êtes le meilleur docteur de toute la vie. Et vous êtes tout doux et très beau. J'avais un autre docteur, il s'appelait Docteur Dirne. Mais c'était un vieil homme méchant. Un vieil homme ? Je suis sûr qu'il n'était pas si méchant. Il suivait peut-être juste le règlement. Oui, c'est ce que beaucoup de monde disait dans les années 40.
Allons-y maintenant. Je vais te déposer à la station. Et voilà, montre à Ziar le roi quel bel Iterstanès tu es devenu. Merci encore, docteur. Vous devriez rencontrer mon chaton un de ces jours. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. On retient, alors que c'est un gentil perso, mais oui, un nazi homéopathe. Qui est un chaton tout doux? Ça te plaît? Je suis là. Fran, ma chère, tu as des feuilles sur la tête maintenant. C'est très mignon. Très joli. Oh, laisse-moi t'admirer. Quelle belle Iter... Oh, laisse-moi t'admirer. Quelle belle Iterstanès tu es devenue. Merci, monsieur le roi. Le docteur est incroyable. Il a fait de la magie avec de l'eau. Mais il était triste. Il m'a dit beaucoup de choses et je n'ai pas tout compris. Oh, ne t'inquiète pas. Palantras ira bien. Je connais les raisons. Nous avons des problèmes à régler, mais tu n'as pas besoin de t'en soucier. Parlons de ton moyen de rentrer chez toi, d'accord? Oui, s'il vous plaît, vous avez parlé d'un grand sorcier. Oui, le grand sorcier est le seul qui puisse te redonner ton corps d'humaine. Et il a les pierres pour ouvrir la porte qui te mènera chez toi. Oui, le sorcier. Quelle pierre? Ce monde est rempli de choses que je ne comprends pas. Ah, tu n'es pas sorti de l'enceinte de ce château et tu veux déjà tout savoir. C'est la passion dont je te parlais. Sois patiente, Fran. Le grand sorcier vit sur le grand mont Cotrem. Mais nous ne l'avons pas vu depuis un certain temps. Trouve-le et tout ira bien. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de trouver le grand sorcier vous-même? Eh bien, nous n'en avons pas besoin, c'est tout à fait logique. Nous n'avons pas besoin de sorciers pour la magie et les potions, nous pouvons le faire nous-mêmes. La mission principale du sorcier, c'est de protéger les pierres qui ouvrent les portes. Je vois, alors les pierres sont comme des clés. Et où est cette montagne dont vous avez parlé? Tu devras demander aux alentours, suis les panneaux. Je dois y aller maintenant. Mais je reviendrai à temps pour t'aider avec la porte. Bonne journée, Diterstha, et bonne chance pour trouver le grand sorcier. Waouh! Tu as vu cette énorme créature poilue, chaton? C'est Palantras, il m'a guéri. Oui, il est très poilu. Oh, j'ai oublié, voici ton porte-monnaie. Oh, merci, chaton. As-tu vu mes cachets dans le coin? Non, ils sont peut-être de l'autre côté du lac, avec tes vêtements. Bon, on a autre chose à faire, de toute façon. Nous devrions trouver le sorcier. Oui, le roi a parlé d'une montagne, lui aussi. Oui, le mont Crotem, Cotrem. Le grand sorcier vit là-bas. Allons-y. Oh, j'adore les hélices en papier. Celles-ci sont énormes. Et OKXV peut témoigner que c'est pas si simple à faire, les hélices en papier. Je me demande pourquoi ils en ont. Peut-être que c'est le vent qui en a besoin pour montrer comme il est fort. Le trône du roi. Je me demande s'il est confortable. Je me demande pourquoi les rois s'asseyent tout le temps. C'est peut-être ça la seule vérité. Pour être un roi, il faut être assis. Bah oui, ma petite, parce que les rois, c'est des grosses feignasses. C'est le peuple qui travaille pendant qu'eux, ils restent avec leur gros cul sur leur trône, là. Elles ont l'air si bonnes, mais je ne pense pas en manger maintenant. Je veux avoir faim quand je rentrerai pour pouvoir manger mon dîner. Parce que Tante Grace préparera le dîner quand je rentrerai. Oh, ces fleurs sont énormes. Je me demande si elles sont bonnes. Oh, ça a le goût du miel. Fran et la conscience de classe, bah oui, bah c'est important qu'elle commence à l'acquérir là. Est-ce qu'on a toujours tous les mêmes objets, donc. Non, 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 tu ne peux pas entrer, c'est fermé. Oh, c'est fermé? Je ne savais pas. Qu'y a-t-il au bout du passage? Bon, la bibliothèque, évidemment, mais elle est fermée. Reviens à l'automne ou en hiver, elle sera alors ouverte. Hé, tu n'es pas l'arbre qui parle que j'ai amené à Palantras? Oui, c'est moi. Palantras m'a donné des bras et des jambes. Oui, et aussi une tête. C'est très positif. Oui,
Mais pourquoi la bibliothèque est-elle fermée, monsieur ? Ben c'est logique, nous ouvrons lorsque le soleil tourne autour de la seconde lune d'Itersta. C'est à ce moment-là qu'on peut retenir les vraies connaissances, et ça n'arrive qu'à l'automne ou en hiver. Oh, donc vous n'apprenez rien en été ou au printemps ? Bien sûr que si, on apprend tout le temps. J'apprends en ce moment même que tu poses trop de questions. Bon, ça m'intrigue, c'est pour ça. Tout est si différent à Itersta. J'imagine que tu n'es pas d'ici. Bon, j'espère te revoir vite. Oui, merci monsieur, au revoir. Des fleurs roses, pouvez-vous parler ? Apparemment non. Je vois beaucoup de nuages. Ce sont des bateaux volants ? Mais comment ? J'imagine peut-être des choses, ou pas. Du coup, tous les bibliothécaires que je connais branlent rien au printemps et en été. Waouh, ça fait un peu peur, mais c'est magnifique. Tellement d'hélices en papier. Elles me plaisent. Le vent est si fort, il peut souffler sur toutes les hélices en même temps. J'ai presque l'impression de pouvoir voler. J'aimerais pouvoir venir ici avec maman et papa, et j'adorerais, ils adoreraient. De minuscules abeilles adoreraient ces fleurs et ils leur feraient plein de bisous. Bah non, ça reste des fonctionnaires, tu sais. Bah oui, du coup, ils branlent rien aussi en automne et en hiver. C'est ça que tu veux dire, hein, j'imagine. Alors, est-ce que ça a un lien avec... Parce qu'on a ça... Il y avait un alphabet à un moment là-dedans. Est-ce que... Oh, waouh, je ne comprends pas. C'est le symbole de l'arbre, mais je me demande ce que ça dit. Je peux toujours demander. Bonjour, monsieur. Vous êtes un garde ? Ouais. Oh, je vois. Vous savez où est le mont Kotrem ? Ouais. Pouvez-vous me dire où c'est ? Ouais. Eh bien, dites-le-moi, s'il vous plaît. Mon Kotrem, mais seulement en hiver. En hiver ? Que voulez-vous dire ? Bien sûr, en hiver. Qu'est-ce que tu crois ? Mais... Je peux pas attendre l'hiver. Oh, on ne l'attend pas, on y va. On y va ? Mais comment ? Ah, pardon, je suis pas doué pour expliquer. Descends les marches, puis tout droit. Tu trouveras un horloger, il peut expliquer. Je crois, il a déjà essayé avec moi. D'accord, merci monsieur. Monsieur, qu'est-ce que ça dit ce panneau avec le symbole ? Ça dit que tout le monde apprend au moment précis de la naissance, mais on oublie son sens durant les 7 premières minutes de vie. Nous devrons donc passer notre vie à essayer de le comprendre. Oh, mais qu'est-ce que ça dit ? Je ne peux pas le lire. Pouvoir, la compréhension de la sagesse. Vérité se tient sur la voie du pouvoir de compréhension. Sagesse vient dans le silence. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne l'ai pas encore découvert. Oh, alors merci. Au revoir. Ce drapeau est très agité. Bonjour à vous. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre à cliquer. Je me demande de quel type de pierre il s'agit. On dirait des cristaux. Comme elles brillent. Oh, il y a tant de poissons. Ils ont l'air pressés. Où allez-vous tous ? Vous rentrez chez vous ? J'aimerais bien pouvoir rentrer chez moi aussi. Il y a l'air d'y avoir un panneau ici.
Je me demande s'il y a écrit Itersta là. Ça doit être ça. Alors. Les belles hélices en papier. Donc là, j'imagine que c'est là où elle est. Une montagne. Et nous, on descend de là, je suppose. Je crois que c'est le château. Là serait la maison de Palantras. Donc si je me repère bien, on doit être à peu près là. C'est le sol. Du coup, il faudra aller. Ok, ouais. Bon, on va bien voir le chemin qu'on va emprunter. Mais a priori, ce serait par là pour aller. Hein. Oui, ce serait vers... C'est le chemin pour aller au château et à la bibliothèque. Une montagne, un arbre et un peu d'eau. Il doit s'agir des bois. J'ai l'impression que c'est le chemin pour aller au marché. On va tout de suite aller vers la montagne. C'est une horloge très bizarre. Où sont tous les chiffres? Elle a des symboles et des couleurs, mais elle n'indique pas le temps. Bon, je suppose que le temps fonctionne différemment à Itersta. Si j'ai un bon souvenir, c'était plutôt par là. Oh, un panier, et il est vide. Je ne peux pas le prendre, il n'est pas à moi. Mais il est joli. J'ai pas besoin de grimper à cette échelle. Bonjour. Bonjour, créature vivante, tout va bien? Oui, je vais bien. Que faites-vous? Je sens cette fleur, merveilleuse création. Vous attendez quelqu'un? J'attends que les citrons poussent. Tu aimes les citrons? Ils sont un peu acides à mon goût, mais la limonade est délicieuse. Je ferai de la limonade avec les citrons pour les clients du bar, tu sais. Et nous mettons aussi d'autres choses dedans. Pour pouvoir voler. Waouh, ça a l'air très bien, j'aimerais essayer, ça a l'air génial. Oui, c'est pour ça que j'attends, on ne peut pas hâter ces choses. Eh, le bar ouvre en automne et un chanteur et un danseur extraordinaire s'y produira. Tu devrais venir. Peut-être que je le ferai, ça a l'air amusant. Merci, au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une souche. Un arbre qui a sommeil. Bonne nuit. Un panneau, mais qu'on ne peut pas lire. Ce doit être un événement important. Par exemple, une fête qui commence ou quelque chose comme ça. C'est peut-être les prix des boissons. Je me demande ce que c'est. On dirait un endroit pour des fêtes tropicales. J'espère que ce sera bientôt ouvert. Ça indique une montagne. Ça doit être Mon Cotrem. On va jeter un œil là quand même. Oula. Pas la même ambiance. Oula, qu'est-ce que vous êtes? Vous ressemblez aux fées de mes livres? Le plus pur des sentiments, l'illumination matérielle, nous sommes Valokas. Oh, vous brillez tant et vous me rendez si heureuse, tellement heureuse. Regarde, créature, une jeune Valokas va recevoir le bouclier. Ombagma, Piamilgro, Ombaggaran. Soldat du soleil, créature du sol, fruit de la graine, laisse l'univers t'illuminer de vérité et sois libre. Où allez-vous tous? Nous poursuivons nos voies vers la vie, que la liberté soit avec toi, mon ami. Monsieur, ou mademoiselle, pouvez-vous faire des choses magiques? L'univers pratique déjà tout le temps la magie, tu es pleine de magie, toi aussi. Mais je veux savoir des choses, et c'est étrange, mais j'ai l'impression que vous savez tout. Nous sommes la lumière, nous sommes partout. Quelle réponse cherches-tu? Je veux savoir qui a tué mes parents, et pourquoi ce gros monstre me pourchasse-t-il? La vérité viendra à ceux qui la cherchent. Ton chemin vers la vérité est colossal. Tu vis dans un monde qui te tourne le dos. Pour l'instant, tu es trop fragile pour affronter la réalité et trop forte pour y renoncer. Mais
Ne sois pas triste, ma chère. Nous devons continuer. Oui, chaton, tu as raison. Oh, ça bouge les bras du Valocas. C'est incroyable. J'imagine que... Il y aura à un moment un truc à faire à partir des mouvements de bras. Mais... Enfin, je vais vérifier, mais je ne crois pas qu'on ait quelque chose qui... On va vérifier quand même là-dedans, dans le carnet, s'il n'y en a pas un truc qui semble parler de ça. Là, on avait le bouclier. Non. Bon, j'imagine qu'on aura peut-être des réponses plus tard concernant la position à donner au bras. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons ? Est-ce que nous avons autre chose ? Ouais. Il n'y a rien d'autre ici que des arbres et des fleurs. Et là, un chemin qui a l'air de mener vers la montagne. Oh, cette hélice en papier est énorme ! Bah, allons-y, montons. Le sommet de cette montagne est très élevé. Parce que c'est le sommet. Je me demande quelle voix peut bien avoir une montagne qui parle. J'imagine qu'elle doit avoir une voix très forte, comme un tremblement de terre. Tu m'as dit qu'on devait tout trouver, mon Cotrem et le grand sorcier. On va en descendre, je pense qu'on a dû oublier de faire des choses. Ah. Oh, je me demande ce que c'est. On va aller voir un peu ailleurs. J'aimerais bien emprunter ce bateau. C'est tout ce qu'il y a à voir ici, ok. Et il y avait un marché aussi, on va aller y voir quand même. Salutations! Serais-tu intéressé par du tissu et du fil? J'en ai! Par curiosité, mademoiselle, vous utilisez du tissu pour faire quoi? Tout le monde est nu? Eh bien, pour tout ce dont on a besoin! Nous avons aussi du fil pour faire d'autres choses! Je vois, je dois y aller. Bonne journée. Au revoir! C'est une coccinelle en laisse? C'est mignon. Bonjour! Ah, qui là ? Qui ? Donc, quelle voix on peut lui faire ? Qui là ? Qui ? Moi, Fran, vous ne me voyez pas ? Oh, maintenant, je vois un peu. Avez-vous quatre yeux ? Vous avez quatre yeux. Waouh ! Quatre yeux ? Je n'ai... Qu'est-ce que vous vendez ? Ce sont tout simplement les meilleurs plombades de tout le pays. Vous voulez les sentir ? On dirait des noix de coco.
Lait de coco. J'ai du caca, mademoiselle, j'ai du caca que je ramasse, ce ne sont pas des noix de coco. Du caca comme ce qui va dans les toilettes? Je croyais qu'il ne fallait pas manger de caca. Il ne faut pas, pourquoi? Chez les chiens, nous avons un chat ici, ça fait pousser, briller tout. Et vous, Paul, quand vous est venu le goût de la merde? Je dois y aller maintenant. Bonne chance avec les plobasses. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Fran. Que faites-vous? Bonjour, je suis prouteur et je façonne ce bout de fer. Pourquoi? Oh, moi, je dois livrer quelques pièces d'horloge à l'horloger. Oh, je vois, pour que je puisse faire tout un tas de choses métalliques. Ouais, d'accord, si t'as des idées, nous pouvons en discuter, et pof, je les réalise. Elle bronçait au lait de caca. Je suis content de le savoir, merci monsieur. Eh ben, je dois continuer à travailler, hein, mais si t'as besoin de mes services, tu sais où me trouver. Waouh, ce bout de métal a l'air splendide. Donc, on sait où acheter du tissu, du caca et où façonner le métal. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça va nous servir, mais bon. Quel joli étal avec de nombreuses horloges. Bonjour, que faites-vous? Je travaille sur mon horloge. Oh, je vois. Monsieur, savez-vous, je peux trouver le grand sorcier? Non, mademoiselle, je fabrique des horloges, je répare des horloges, j'écoute des horloges. Tic, tac. Et savez-vous où est le mont Cotrem? Le mont Cotrem existe uniquement en hiver. Le reste du temps, c'est juste une montagne normale. Mais je ne peux pas attendre l'hiver. Le roi a dit que le sorcier serait sur le mont Cotrem. Pas besoin d'attendre l'hiver, c'est absurde, le temps est une réalité aux superpositions infinies. Oh, une réalité différente, ça a l'air génial, que dois-je faire alors? Va à la grosse horloge et change la saison, il suffit de la changer. Où est l'horloge? Eh ben, va vers le château, mais tourne à gauche, lorsque tu verras les escaliers, tu trouveras une grosse horloge sur l'arbre, bonne chance. Merci monsieur, vous êtes très gentil, au revoir. Tic-tac. Oh, pour porter les choses lourdes. J'en profite pour fouiller tout, hein, maintenant qu'on est là. Miam, des ananas frais et juteux. Les oranges me donnent mal à la tête. Bébé tubercule, vous allez être mangé. Cette coccinelle a des melons vraiment énormes. Ils ont l'air juteux. Ok. Fanfiction chelou de... Fanfiction chelou de Ladybug et Chat Noir, là. Bonjour, mademoiselle. Je pense que vous avez de magnifiques fruits. Merci, ma chère. Tu en veux? Oh non, j'ai pour mission de rendre très chez moi et je veux avoir faim quand j'y arriverai. Oh, de quelle région d'Itersta viens-tu? D'en dehors de l'île? Non, je ne viens pas d'Itersta du tout. Je suis une humaine. Oh, une humaine, c'est nouveau. Eh bien, je te souhaite de réussir ta mission. Merci, mademoiselle, je ne m'y manquerai pas. À plus tard. Bonjour, madame. Y a-t-il des nouvelles? Bonjour, veux-tu lire le journal? Je ne sais pas lire l'Itersta. Comment s'appelle le langage d'Itersta? Tu ne le sais pas, ça s'appelle de l'Iternish. Tu es une touriste? Oui, je suis une touriste, je m'appelle Fran. Je n'ai jamais vu de touriste avant, et je n'ai jamais vu de Fran non plus. Bienvenue à Itersta, j'espère que tu t'amuseras bien ici. Merci beaucoup, je dois y aller, au revoir. Oui, oui, forcément. Un banc où s'asseoir quand on sera vieux et qu'on voudra nourrir les oiseaux. Ou juste parce qu'on est fatigué, mais je ne suis pas fatigué. Parce que je suis très jeune. Oui, mais tu sais, Fran, le désespoir est assis sur un banc, et pour peu qu'on le regarde... Vache, elle est immense, cette zone. Oh, des mini-figures, noires et blanches. Bonjour. Bonjour, jeune créature. Qu'est-ce que vous faites? La guerre est sur le point de commencer.
et je ne vois aucun sens dans l'insensé. Hein ? Que voulez-vous dire ? Rejoins-moi, jeune créature. Tu seras récompensé d'une pièce d'or si tu reviens en vie. J'espère que ce personnage n'a pas trop de dialogue. Vous rejoindre ? Vous rejoindre où ? Le jeu est sur le point de commencer. Tuez les Kamalas, je suis les Valokas. Noir et blanc, comme l'ombre et la lumière. Est-ce une sorte de jeu de société, monsieur ? Oui, un jeu de société. Plongeons-nous dans cette aventure, toi contre moi. Je te donnerai une pièce si tu gagnes. Qu'en dis-tu ? Oui, d'accord. Quelles sont les règles ? Le premier à placer trois figures identiques sur une ligne diagonale, horizontale ou verticale, gagne. Nous jetons l'engin pour voir qui commence. Tu es partante. D'accord, on dirait un jeu que nous avions à l'école appelé le Morpion. Mais pourquoi est-ce que vous me donneriez l'or si je gagne ? Le temps, c'est de l'or. Et je suis très vieux. Je regarderai peut-être le replay pour le x2. Non, 0,5 pour en profiter vraiment. Cela fait longtemps que je suis là. Je veux juste m'amuser. Je vois, eh bien jouons. Ouais, en même temps, le Morpion, c'est quasi impossible à gagner en réalité. Hein. J'ai vu. Le truc, c'est que là, il est obligé de. Je crois que c'est ça ma meilleure chance en vrai. Ouais. Ah oui, il est sénile, effectivement. Ouais, celle-là, elle va arriver sur un nul, je pense. Oui. Oui, celle-là, je peux pas la perdre, du coup. Je sais pas combien de pièces d'or j'ai besoin, hein, mais bon. On va en prendre 5. Donc il nous en manque une. Voilà.
9999, ça ce serait vraiment un achievement débile de Final Fantasy. C'était très futé. Bien ouais-je. Oui, je me débrouille bien. Merci pour la pièce, monsieur, elle brille beaucoup. Au revoir. Ces bateaux doivent être extraordinaires, avec des capacités spéciales. Bonjour, monsieur. Bonjour, petite créature. J'ai vu les bateaux volants, monsieur. Comment marchent-ils ? Imaginez en train de flotter sur l'eau, mais à la place de l'eau, c'est de l'air. C'est tout simple. Et puis, j'empruntais un de vos bateaux pour m'envoler. Je veux rentrer chez moi. Oh, rentrer chez toi, je vois malheureusement. Ces bateaux ne marchent qu'avec de l'hydrostatine. Je vois. Eh ben, merci beaucoup. Amusez-vous bien à fabriquer votre bateau. Oui, y a quelqu'un ? Apparemment non. Beaucoup de bois, cela deviendra peut-être un bateau un jour. On dirait une araignée, beaucoup de pattes qui rampent sur mon dos. Burk. Peut-être que je peux me cacher là avec chaton si le monstre revient. J'espère qu'il ne reviendra pas du tout. Un bateau prêt à partir, de plus en plus haut, youhou ! Non, c'est pas Eminem, il a pas chanté Venom. Miam, des fruits et des légumes délicieux. On dirait un enfant celui-là. Bonjour petite Racine, tu es si mignonne. Oh merci, tu es mignonne aussi. Et je suis Fran, et vous êtes ? Moi, non, je ne suis pas Fran, je suis Zelma. Zelma, et je peux chanter toute la journée. Quelle est votre chanson préférée ? Voici ma chanson préférée. 1 et 1 font 2. 1 et 2 font 3. 2 et 3 font 5. Et 3 et 5 font 8. Et je ne me rappelle plus du reste. Je l'ai appris à l'école. C'est rigolo. Oh, ça a l'air très mathématique. Je dois y aller maintenant. Vos fruits sont magnifiques, au fait. À plus tard. Bon. Alors, on sait où il y a des horloges, où il y a des gens pour des bateaux, où gagner de l'argent. Si on a des calculs, on va voir la petite. On sait où acheter des gros melons, où avoir des nouvelles, où acheter du caca, forger le métal, acheter du tissu. Je pense qu'on est paré pour la ville, hein. Et donc, on nous a expliqué comment ça fonctionne. C'est une horloge très bizarre. Où sont tous les chiffres ? Elle a des symboles et des couleurs, mais elle n'indique pas le temps. Et du coup, c'est ce qu'elle nous a expliqué. Ah d'accord, oui, effectivement, on a l'argent maintenant. Ah, d'accord, il y a bien... Oh, on dirait que quelque chose s'est cassé. Je me débrouille peut-être mal, mais comment fonctionne-t-elle ? Je sais pas, je peux peut-être demander de l'aide. Bah on va demander d'abord à l'horloger, après tout, c'est lui qui pourra peut-être nous indiquer. Monsieur, j'ai un petit problème. Oui, je n'en ai pas... Ouais, Boudin Rouge, il y a un côté Boys Afraid, hein, Boys Afraid pour les enfants. La grosse horloge sur l'arbre est cassée, je ne peux pas la faire marcher. S'il vous plaît, aidez-moi. Une horloge cassée, quelle honte, pauvre horloge. Vous devez m'aider, s'il vous plaît. Réparez-la pour moi, je vous en supplie, je dois rentrer chez moi. Je ne répare jamais une horloge pour rien, sinon je gaspille mon temps. Qu'est-ce que tu veux dire ? Cela coûte une grosse pièce d'or par horloge, le temps c'est de l'or, tu sais. Voilà, monsieur, votre pièce d'or. Oh oui, mais tu dois d'abord m'offrir le poste d'abord. Vas-y et sois poli. Oh, monsieur l'horloger, aimeriez-vous réparer mon horloge ? Contre cette pièce d'or et au nom du temps. Je vous en prie, acceptez mon offre. Bien sûr, c'est une très bonne offre d'emploi, beaucoup de passion. Excellent, allons à la grosse horloge et réparons-la.
Tu avais raison, l'horloge est cassée. Tu peux le réparer, non? Bien entendu, un instant. Oui, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que quelqu'un a joué un mauvais tour à cette horloge. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que quelqu'un l'a cassé. C'est immoral de casser une horloge sans défense. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il cassé? Les Kamalas, l'hiver, mon Kotrem, les pierres, beaucoup de raisons, mademoiselle. De quoi tu parles? Je comprends pas. Les Kamalas, les ténèbres maléfiques, ils sont à la botte de Raymor, le terrible noir. Et les Kamalas sont les seuls autorisés dans ce monde, le seul mal qu'on a par ici. Ça ne m'étonnerait pas, Raymor veut les pierres, mais ce que je ne comprends pas, c'est pour quelle raison. Ces pierres ne valent rien pour lui et son royaume. Et les pierres sont dans l'hiver. Est-ce que Raymor est un monstre noir géant avec un masque de chèvre? Un masque de chèvre morte? Oui, tu le connais? Oui, je crois que c'est parce que je suis dans son monde. Je suis humaine, vous savez. Oh, une humaine, je comprends mieux maintenant. J'ai aussi besoin des pierres, elles me permettront de rentrer. J'espère que ce n'est pas trop tard. Ah, c'est pour cela que tu dois te rendre dans l'hiver et trouver mon Kotrem. Oui, exactement, je dois parler au grand sorcier et emprunter les pierres. Bien, c'est réparé maintenant. Je vais te donner quelque chose pour te faciliter la tâche. Tiens. C'est une télécommande pour l'horloge. Tu pourras voyager dans les quatre saisons avec une petite rotation. Mais ce n'est qu'un prototype. Alors, il ne fonctionnera peut-être pas si tu es trop loin. Et n'oublie pas que le temps est une réalité aux superpositions infinies, alors fais attention. Je ferai attention, merci beaucoup. Vous êtes un horloger très gentil. Je t'en prie, appelle-moi Cogwind. D'accord, monsieur Cogwind. Je m'appelle Fran, au fait. A bientôt, au revoir. Bah écoute, on va tout de suite vérifier. Attends, ça a changé ma tête, en fait. C'est vraiment cool, ça, comme principe, pour le coup. Monsieur, puis-je avoir un de vos citrons? Désolé, adorable créature, les ressources en citrons sont limitées, tu ne peux pas tous les prendre. Je prends tous les citrons que le panier peut porter, c'est-à-dire chaque citron sur l'arbre. Je reconnais ce type d'arbre. Tante Grace en avait un chez elle. C'est un citronnier. Ils sont très délicats. L'arbre de Tante Grace devenait très triste en hiver. Arg! Bon bah, au revoir, KXV, pas de soucis, t'inquiète. Donc montons vers l'arbre qui, a priori... Ah! Ici, c'est ouvert en cette saison. À d'abord examiner. Je ne comprends pas, mais je reconnais certains des symboles. Plus, moins, multiplier et d'autres choses. Cela doit être des trucs mathématiques. Bonjour, monsieur Cintre. Vous n'avez pas de vêtements sur vous? Je crois que tout le monde à Etherstar aime se promener tout nu. Moi aussi, je suis nu, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas gelé. Le grand sorcier prépare quelque chose ici. Je me lance que... Ce n'est peut-être que de la soupe. Quelle odeur délicieuse, comme les myrtilles. Des choses épicées? J'ai beaucoup de gaz quand je mange des choses épicées. Mais c'est une sensation étrange. Ses cheveux ressemblent vraiment aux cheveux des insectes volants. Je crois qu'ils ont dû être très collés, alors ils ont dû les couper. Mais ça veut dire qu'ils ne sont plus collés. Je me demande ce qu'il y a dans ces bouteilles.
Cela pourrait être de la sauce chocolat ou du lait. Ou peut-être autre chose, comme du poison. On ne sait jamais. Je vois un crâne humain. Bonjour, je ne suis pas la seule humaine ici. Mais peut-être que cet humain a réussi à rentrer chez lui. Je suis dans le pétrin. Des choses pour faire de la magie, je suppose. Ce n'est pas utilisé. Oh, du charbon. Je me servais du charbon pour dessiner sur l'allée. C'est aussi utilisé pour brûler. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, donc, non, c'est bien, y'a pas là. Finir de tout examiner, hein. Un boulier, il sert à résoudre des trucs mathématiques. Et si on veut compter au-delà de 100, alors il faut avoir plusieurs bouliers. Quel adorable lapin, je me demande si le sorcier l'a cousu. Il s'est bien débrouillé. J'essaierai de m'en faire un quand je reviendrai à la maison. Un chapeau de magicien, je me demande à qui il appartient. J'ai déjà vu ce squelette dans un haut de forme. Il est peut-être à lui. Peut-être que le squelette était un magicien. Je ne comprends pas vraiment cette expérience. Cela a une odeur de lait chaud. Ça doit être très compliqué. Alors, est-ce qu'on a bien tout observé? Non, il reste ça. Je ne comprends pas, mais je suis dans une autre réalité, alors c'est normal. Je ne peux pas perdre mon temps à comprendre des choses incompréhensibles. Je devrais en apprendre plus sur mon propre et merveilleux monde. Et ça, c'est des bonbonnes de gaz. Deux grandes bouteilles vides. C'est donc ça. En parlant de lui. Oh, êtes-vous le grand sorcier, monsieur? Désolé, monsieur, je suis Fran et j'ai besoin de votre aide. Est-ce le Mouquetrem? Pardon, pouvez-vous parler? Tu poses beaucoup de questions, c'est bien. Oh, désolé monsieur, le roi a dit que vous pourriez m'aider. Ce que le roi dit, nous faisons. J'ai besoin que vous me prêtiez les pierres pour ouvrir une porte vers mon monde. Les pierres ont disparu et je ne me rappelle pas où elles sont. À chaque fois que je joue à cache-cache avec elle, j'oublie. Alors c'est impossible de les trouver. Je vois, mais je peux peut-être vous aider à les trouver. Je veux simplement connaître la réponse la plus importante de toutes. Comment le lapin fait-il? Je l'ai vu une fois. Un humain l'a fait. Le lapin est apparu d'un chapeau vide. Comment? C'est la question la plus importante de toutes. Car si rien n'existe, alors le rien existe. Mais si le rien existe, alors il n'y a pas de rien. Je pose de nouveau la question. Comment? Monsieur, pourquoi est-ce que vous ne demanderiez pas à la personne qui l'a fait? Oh, j'ai une visiteuse. Bonjour, qu'est-ce qui t'amène au grand sorcier? Ça veut dire moi. Sache-le. Bonjour monsieur, le roi m'a envoyé ici pour les pierres. Les pierres... Ah, ça fait longtemps depuis que quelqu'un n'est pas venu les demander. J'ai concocté la formule la plus fantastique de tous les temps pour que personne ne puisse les trouver. Tu sais, les ombres noires, les Kamalas, elles essaient de les voler tout le temps, alors je dois être certain... Le roi m'a dit que les pierres ouvriraient une porte pour rentrer chez moi. Les pierres se cachent. Je me rappelle que les quatre énigmes qui sont connectées aux pierres. Quatre énigmes qui libéreront mes souvenirs. Ce n'est que quand les quatre énigmes auront été résolues correctement que je pourrai te dire où trouver les cinq objets. Ces objets sont les pierres dans leur réalité superposées. Alors je suis le seul qui puisse les ramener. Oui, c'est beaucoup d'un coup, là, niveau information. C'était beaucoup d'infos, monsieur. Je vais te montrer. Zukaidu, Zukaida, magie, magie, Zukaidu. Voici l'étoile d'Itersta, Omkabe, la plus grande guide du ciel, la plus grande gardienne de cette terre. Oui, ça a l'air formidable. C'est une étoile, quoi.
Je te donnerai les 4 énigmes écrites dans la langue de tout. La réponse est toujours un objet. Place les objets sur l'étoile d'Itersta sur leurs symboles respectifs et ensuite je pourrai te dire où se trouvent les pierres. Alors, je suis froide comme je suis, mais utilise-moi, je brûlerai avec intensité. Sur un... Elle est où celle sans... Ah oui, d'accord, en haut. Donc je dirais une allumette. On a des allumettes, en tout cas. Je brille comme le soleil, mais je ne te brûlerai jamais. Peut-être te ferai-je grimacer. Suis le courant, file au sang-froid. Remue ton corps depuis la source du ruisseau. Alors, est-ce que ce sera un poisson, ici ? Légère et creuse, je suis la liberté de l'oiseau et l'écriture de l'homme. Ça, c'est une plume, du coup, je pense. Donc la dernière, je dirais une plume, ça, j'en suis à peu près sûr. La première, j'ai envie de dire une allumette. La troisième, ça m'évoque vraiment un poisson. Oh, merci beaucoup, monsieur sorcier. Oh, monsieur sorcier, le roi dit que vous pourriez me rendre de nouveau humaine. Ah bon, je crois que c'est vrai, mais je me souviens à peine comment faire. Vous ne vous souvenez pas? Mais je ne peux pas rentrer chez moi en arbre. D'accord, mais je ne peux pas t'aider pour l'instant, je dois récupérer certaines de mes connaissances. Nous pourrons peut-être te faire redevenir humaine après que tu aies d'abord retrouvé la première pierre. Ce serait incroyable. Oui, incroyable et formidable. Et c'est simplement de résoudre les énigmes et je pense que tout ira bien. Monsieur, ai-je besoin de quelque chose de spécial pour devenir humaine? Je crois que l'odeur est très importante, si je me souviens bien. Alors amène-moi tes vêtements et nous verrons ce qui se passe. D'accord, monsieur, j'amènerai mes vêtements plus tard. Au revoir. Négatif. Et voilà, minuscule allumette. J'espère que c'est ça. Voilà, on va relire. J'ai pas de plume déjà sur moi, non. Très bien, bon, on va aller. On va commencer à chercher. Qu'est-ce qu'on a en haut? Oula. Oh chaton, tu as vu ça? Tu as vu? Oui, ma chère, j'ai vu. Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était les ombres. Mon Dieu, je ne veux pas les revoir. Les revoir? Oui, chaton. Elles étaient partout à l'hôpital. Je veux rentrer chez moi. Nous rentrerons bientôt, ma chère. Miaou. Chaton, tu veux bien me promettre quelque chose? Que quoi qu'il arrive, toi et moi, nous serons toujours du même côté? Évidemment, ma chère, je te le promets. Excellent. Maintenant, je dois y aller. D'accord, ça, c'est pas chiant. Alors, on a besoin d'une plume. Est-ce qu'on trouverait ça, par exemple, à la bibliothèque? Oula. Oh la vache. Palantrasse, monsieur? Attendez, ne partez pas! Oh non, il avait l'air vraiment mal en point, chaton. Ce n'était pas le docteur? Il peut peut-être se guérir lui-même. J'espère, chaton, il était si blessé qu'il a perdu sa plume. Je me demande ce qui s'est passé. Et du coup, on va ramasser sa plume. C'est la plume de Palantrasse. J'espère qu'il va vite se rétablir. Alors,
Il y avait une bibliothèque qui était ouverte l'automne et l'hiver, donc j'ai bien envie d'aller y voir. Halte là, là. Connais-tu le mot de passe ? Oh non ! Quel mot de passe ? Le mot de passe de la bibliothèque, évidemment, tu dois l'avoir pour rentrer. Vous savez qui a le mot de passe ? Oui, le grand sorcier, bien entendu, il sait tout. D'accord, je vais voir si je peux trouver le mot de passe, alors. Au revoir. On retournera voir ça après. On va voir à toutes les saisons un peu hein, ce qu'il en est ici. Oh, la glace paraît très mince. J'ai peur à l'idée de marcher dessus. Eh bien, je n'ai pas besoin de le faire, et je ne vais pas le faire. Bonjour, je m'appelle Fran. Que faites-vous ? Bonjour, je suis prouteur et je façonne ce bout de fer. Ah d'accord, au revoir. On va vérifier un peu les quatre saisons un peu partout. Hein. Donc, ok, donc ça. Bonjour, tout a l'air vraiment fermé. Tout le monde doit être chez soi. Ok, donc le marché ne change vraiment qu'en hiver. Bonjour. Est-ce que cette pièce change ? Est-ce que, par exemple, ces fruits à elle changent ? Ah, l'horloger n'est pas là à partir de l'automne. Intéressant. Voilà, Fran la touriste, amuse-toi bien. Ici. C'est pas ce que je voulais faire. Je vais vérifier un peu tout, hein. Tout a l'air vraiment fermé. Ici. Recouvert de neige et de glace. Je ne peux pas naviguer avec celui-là. Ah, donc là, on peut bien naviguer. Et aller voir un peu plus loin. Oh, cette île est vraiment minuscule. Je me demande si quelqu'un pourrait y vivre. Peut-être des créatures minuscules, quasi invisibles. Je suis bloqué. Impossible de naviguer sur la glace. Ah, ça nous fait revenir ici, ok. Oh Fran, on est déjà venu ici. J'ai réparé le pont pour aller chercher ton porte-monnaie. Ouais, chaton, tu es très intelligent. J'espère qu'on va trouver mes affaires. Bah oui, du coup, parce que normalement, elles sont ici, nos affaires. Chaton, je ne trouve pas mes cachets. Peut-être qu'ils ne sont pas ici. Tu les as peut-être perdus. Bon, ils ne me faisaient pas beaucoup de bien, de toute façon. Peut-être qu'ils réapparaîtront un jour. Continuons. Ah, je vous ai trouvé mes chers vêtements.
Venez voir votre seule et unique porteuse. Cela doit être le château. On dirait un ananas vu d'ici. Je me demande si ça en a le goût aussi. Ok, donc on a retrouvé nos affaires, ce qu'on devait faire dans tous les cas, donc c'est déjà pas mal. D'accord. Bon, on a récupéré nos affaires, c'est déjà ça. La suite. Tu as envie d'attendre avec moi? Oh, je ne peux pas, je dois rentrer chez moi. Chez toi, tu es chez toi, mon ami. L'univers, c'est chez toi. Oh, quelle jolie idée. C'est quoi cette odeur? L'âme épée pour que les ténèbres ne me hantent pas, tu sais. Mais c'est étrange, je ne vois pas de ténèbres. Oh, bon sang, c'est vraiment horrible. Bon, je dois filer, au revoir. Ah, on va peut-être aller tout de suite. Il est où son bar? Alors, le bar. C'était pas là, le bar? Oh, hé, y a quelqu'un? Apparemment, non. Je sais plus où est censé être le bar, en fait. Qu'il y a par là déjà. Ok. Mais la zone est vraiment grande et en plus avec les 4 saisons, ça fait pas mal à explorer pour le coup. Je pense qu'on va pas durer éternellement encore là de toute façon. On va juste aller voir un peu vers la montagne, dans cette direction-là. Ah, c'est là. Bonjour, petite dame, ton ticket, s'il te plaît. Bonjour, monsieur, je n'ai pas de ticket, comment en obtenir un? Quoi, tous les citoyens d'Eterstar ont un ticket, pourquoi n'en as-tu pas? Je ne suis pas citoyenne, monsieur, c'est peut-être pour ça. Pas une citoyenne, c'est une première, mais on ne la fait pas, désolé, tu n'entreras pas. D'accord, monsieur, je comprends, mais que faire alors? Je dois vraiment entrer. Je sais pas, ça m'est arrivé. Je vais devoir trouver un moyen d'entrer tout seul. Toute seule, merci, au revoir. Il va y avoir un truc avec ce Valocas, hein, mais... mais non, j'arrive pas du tout à savoir quoi pour le moment. Donc
Lui, il est là qu'en hiver, a priori, ok. Ah bah oui, en plus, oui. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi au moins un indice. J'ai besoin de votre aide. L'aide, je t'aide déjà. Si tu veux que je la résolve pour toi, alors tu n'apprendras rien. Le temps et l'espace sont formidables et les réponses se trouvent partout. Mais elles sont toujours là. Je suis certain que tu trouveras les réponses. N'abandonne jamais. Alors, le poisson, c'était... enfin, la plume, pardon. C'était la quatrième, la plume. Je suis bête, donc c'est là où il y a trois points. Ok. Je vais placer la plume de Palantras ici. A few moments later. Vérifier un peu les autres. Hein. À la limite, c'est peut-être une ampoule. Revenir à une saison. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? On va lui changer sa voix, lui. Oh, bonjour, as-tu trouvé ton ticket spécial? Le spectacle va commencer. Monsieur, puis-je avoir un de vos citrons? Non. Ok. J'aimerais bien avoir un poisson, en fait. Mais j'ai rien qui me permettrait d'attraper les poissons. Lui, il vend quoi, déjà? Bonjour. Ah, qui là? Qui? Qui là? Qui? Alors, c'était pour... Ah oui, donc ça, cette conversation, je l'ai. Il vend du caca. Écoute. Arg, ça ne marche pas. Ok, je peux pas acheter de caca. Putain, lui parle. Donc non. C'est de reparler un peu. Là, je relis pas les dialogues parce que c'est des dialogues qu'on a déjà eu, hein. Donc je me permets de les passer. Pour l'instant. Ici l'horloger, celle qui donne... là c'est celle... Pas de marchand de poissons dans cette histoire-là. Bonjour Zelma. Peux-tu répéter la chanson que tu m'as chantée? Oh oui. Un et un font deux, un et deux font trois, deux et trois font cinq, et trois et cinq font huit.
Merci, au revoir. Est-ce qu'elle a pris plus de paroles? Bonjour Zelma. Non, j'aurais espéré. Oui. Est-ce que ça change cette salle-là selon la saison? Pour l'instant, pas tellement. On va finir de vérifier un peu ça. Après, est-ce que quand il saute, est-ce que je peux faire quelque chose? Non, je pense pas. Est-ce qu'on peut lui parler du fait qu'on ne peut pas rentrer au bar? Je n'ai pas besoin de grimper à cette échelle. La différence entre avoir besoin et... Alors lui, qu'est-ce qu'il répond si on va le voir au printemps? Donc pas la même saison. Le garde m'a dit qu'il me fallait un ticket pour entrer. Retournons voir une fois la montagne. Voir s'il y a des choses directement à l'intérieur. Est-ce que si j'utilise le livre... Le livre, il s'utilise vraiment que comme ça. Il avait dit qu'il avait besoin de mes vêtements. Tes vêtements puants, je ne peux pas encore te rendre humaine, nous devons trouver la première pierre. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi au moins un indice, j'ai besoin de votre aide. Ou alors un cristal, peut-être, pour... Pour la deuxième, un cristal, ça peut briller. Est-ce que... Par exemple, avec un couteau, je peux en récupérer un bout. Non. On fait encore un petit tour et puis on s'arrêtera là pour ce soir. On a déjà fait une belle partie après tout. C'est vraiment cet endroit qui m'intrigue un peu.
Alors. Ce qui est plutôt amusant, hein, mais je ne vois pas à quoi ça peut nous... Bon. Pas la moindre idée d'à quoi ça sert, mais... Concentre-nous sur les énigmes, Fran, je peux toujours t'aider. Ce que lui, il peut... C'est un chat, après tout, il peut peut-être attraper des poissons. Pas donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois, à moins qu'on trouve vraiment dans les deux minutes qui viennent un nouvel indice. Incroyable, j'ai réussi à avoir des pièces d'or. Et elles ne me servent même pas. Et pourquoi il n'y a jamais personne ici? C'est ouf. Vérifier toutes les saisons. Mais j'ai vraiment pas l'impression. Est-ce que ça me dit quelque chose d'autre là? Ça, pour ça. Je me demande de quel type de pierre il s'agit. Est-ce qu'on peut casser? Ouais, non, c'est trop solide, j'imagine. Si on se met en hiver. La glace paraît très mince. J'ai peur à l'idée de marcher dessus. Est-ce qu'on pourrait y envoyer son chat? Concentre-nous sur les énigmes. Oui, ben justement, j'aimerais bien que tu mettes, que t'ailles sur la glace, mais bon, tant pis. T'as pas l'air très entreprenant quand même comme bestiaux. On va retourner un peu là-dessus. Est-ce convaincu qu'il y a un truc aussi avec ça? Mais alors quoi exactement? Je ne sais pas encore. Enfin, un dernier tour ici. Où on le... Je crois qu'il faut au moins être sur le bateau pour pouvoir changer de saison. Est-ce que si je passe... Est-ce que je peux passer au moins en hiver
Et non, je suis vraiment complètement bloqué en hiver. Par contre, qu'en est-il du printemps ici? On vérifie ça. Et puis si ça ne marche pas... Ok. Ok, bon bah là je suis un peu bloqué, j'ai des idées, mais rien de plus. Donc on verra bien pour la suite après. Et nous allons sauvegarder. Voilà. Et nous arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, bah c'était bien sympa comme nouvelle partie. Là, on est dans une grande zone. J'avoue qu'il y a des trucs, je vois pas du tout comment on va les trouver, mais j'espère qu'il y aura des révélations d'ici la prochaine fois, que j'aurai une sorte d'inspiration divine. Sinon, je vais pas m'en sortir. En attendant, donc la prochaine partie, ce sera la semaine prochaine, peut-être mardi aussi. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. On se retrouve jeudi pour The Risk of Rain 2 et samedi pour commencer Alan Wake. Merci de votre présence ou de regarder en replay. À bientôt.